Je suis née à Québec et je viens du quartier Saint-Roch. Mes parents étaient tous les deux originaires de la région. Et j'ai des ancêtres à l'île d'Orléans. Donc, on pourrait dire que je suis une espèce de pure laine retricotée. Détricotée par l'anthropologie, retricotée par de multiples influences. Et c'est les 13 premières années de ma vie, ça s'est passé donc dans ce quartier. Je suis allée dans une école qui s'appelle Jacques Cartier. J'étais bien intriguée par ce personnage, Jacques Cartier, et dont on apprenait qu'il avait fondé le Canada, n'est-ce pas? C'était comme ça qu'on apprenait les choses, avec nos livres d'école où il y avait des Indiens qui étaient méchants, des Iroquois qui étaient méchants, et puis des bons Hurons, et où il n'y avait pas d'autres étrangers, entre guillemets, parce qu'eux autres étaient un peu comme des étrangers dans ces livres-là. Je parle de ça parce que je pense que ce qui nous marque en anthropologie dans les premières années de notre vie, c'est peut-être ces premières rencontres avec ceux qu'on qualifie d'étrangers. Où ils se sont placés, ces étrangers? Alors, d'abord, c'est ça, dans les livres où on vous parle qu'il y a des Indiens que vous ne voyez jamais. Sauf des petits dessins un peu étranges, de gens qui ont l'air très méchants, avec des haches, qui sont en train de... des missionnaires qui sont en train d'être brûlés, tout ça. Et ces années-là ont été très importantes, parce que j'ai appris beaucoup de mes parents de quelque chose qui peut s'appeler le sentiment de l'exclusion. Le sentiment d'être quelque part et de ne pas en être. Dans une société où, finalement, dans cette ville de Québec, à l'époque, puis peut-être encore un peu aujourd'hui, la séparation entre ce qu'on appelait la haute ville et la basse ville était très, très forte. Moi, je commence à voir qu'il y a une haute ville assez tard, hein, peut-être, alors que j'ai une dizaine d'années. Et on était donc tous des enfants qui jouaient dans les rues. Là où j'ai habité, c'est la rue Arago. Et après, j'ai appris que c'était un astronome. Je trouvais ça bien amusant. Et cette rue Arago... c'était à l'époque que les rues étaient pleines d'enfants. On jouait beaucoup, beaucoup. Puis j'avais une amie dont la mère gardait, on appelait ça comme ça, elle gardait des enfants. Mais ces enfants-là, c'était des enfants qui étaient laissés en crèche par des mères qui avaient eu des enfants hors mariage. Et un jour... mon amie vient me voir et elle dit « Il faut que tu viennes, on a un enfant, je ne sais pas comment, je ne me souviens plus comment elle avait dit ça, mais il était noir. » Et les petites filles, on allait voir le petit garçon noir dans la crèche pour voir que ce n'était pas pareil que nous. Mais vous imaginez, tout était tellement blanc à Québec à l'époque que la confrontation avec la différence pouvait passer par des choses comme ça. Une autre chose qui m'a énormément marquée, c'est évidemment la fréquentation de l'Église, puisque bon, mes parents étaient catholiques, je l'étais par ce qui était la normale des choses à l'époque. Et on participait donc à tous les offices religieux, et particulièrement le Vendredi Saint. Et le Vendredi Saint, un Vendredi Saint, j'oublierai jamais ça. Donc, il y avait une sorte de rituel qu'on connaissait pas, qui était pas habituel aux messes normales, disons.
ce très long office là qui dure des heures, c'était très très long. L'église qui est avec, qui est toute parée de grands draps mauves et noirs, c'était très impressionnant. Et je me souviens du prêtre qui nommait le nom de plusieurs peuples. Et à chaque peuple, on s'agenouillait. Mais rendu aux Juifs, on ne s'agenouillait pas. Et ça aussi, ça m'a énormément marqué. Qui étaient les Juifs? Pourquoi on faisait une chose pour bien d'autres et qu'on ne le faisait pas pour les Juifs? Ce sont des choses qui ont pris de la place. Par la suite, je m'en suis rendu compte dans le reste de ma vie. Mais ces moments-là, si j'en parle maintenant, c'est que ils ont été des moments marquants pour lesquels des questions sont restées en suspens, en quelque sorte, sur qui nous sommes, qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est qu'être québécois, qu'est-ce que c'est qu'être... qu'est-ce que c'est que la différence? Qu'est-ce que c'est que l'égalité? Et puis, ces choses-là ont pris beaucoup, beaucoup de place dans toute ma trajectoire. Donc, je suis née dans ce quartier et je suis restée très attachée pour le voir aujourd'hui se transformer. On y reviendra beaucoup plus tard. Et j'ai très tôt eu le goût de beaucoup étudier. À l'école, les professeurs me savaient plus quoi faire pour m'occuper parce que j'étais extrêmement dissipée. Et la seule façon de faire pour faire cesser toutes les facéties que j'imaginais, c'était de me donner des livres. Et les bonnes sœurs, elles ouvraient la bibliothèque juste pour moi, pour me laisser prendre tous les livres que je voulais. Et je partais, je pouvais en lire 4-5 par semaine. Et ça a duré comme ça. J'avais toujours un petit peu... j'étais à l'école publique, bien entendu. Et c'est pas bien entendu, j'étais à l'école publique. Et j'aimais énormément lire. Je cachais mes livres sous mes cahiers de devoirs. Ma mère venait voir si j'étudiais. J'avais l'air d'étudier, mais en dessous, j'avais toujours d'autres choses à faire que ce que je devais faire, mais je le faisais aussi. Et ça, ça a été très important aussi. J'étais très encouragée, très, très encouragée par mes professeurs. Mes professeurs, je dirais, dès la première année, deuxième, troisième, toujours, toutes mes années de primaire, de secondaire, j'ai été extrêmement encouragée à étudier. Et à l'époque, c'était pas nécessairement le destin de tout le monde. Hein? C'était pas facile d'étudier quand on venait d'un quartier comme le mien. Et donc, à 13 ans, on est parti en banlieue. Ma famille, comme bien des Québécois de l'époque, les quartiers se sont mis à changer, les banlieues se sont ouvertes, donc on a changé de quartier. J'ai habité Charlebourg. Et là, ça a été encore un autre moment très, très important puisque la rencontre, je dirais, avec d'autres professeurs qui venaient de l'étranger. On commençait à rencontrer des professeurs qui, eux, notamment, il y avait des Français, il y avait des Maghrébins, il y avait des gens d'Espagne qui arrivaient pour faire de la coopération, parce qu'on manquait de professeurs à cette époque-là. Donc, ma rencontre avec l'extérieur, ça compte dans une ville comme Québec. Encore une fois, comment est-ce qu'on finit par avoir le goût d'être anthropologue et de travailler avec d'autres, avec l'altérité? Donc, il faut qu'il y ait des rencontres. Et ces rencontres-là, donc j'ai eu des professeurs, dont une que je fréquente maintenant, à chaque fois que je vais en Europe, je la revois. Ma professeure d'anglais était française. Ça ferait sourire bien des gens. Mais elle était très importante, Madeleine Chantoiseau, qu'elle s'appelait.
Et elle arrivait avec mai 68. Elle arrivait avec l'histoire des relations de la France avec l'Algérie. Elle arrivait avec ce qui s'était passé le printemps de Prague. Elle nous racontait toutes ces choses-là. J'étais absolument fascinée, absolument attirée, en même temps qu'à cet âge-là, je parle de 12, 13, 14 ans, on est attiré par d'autres choses aussi, et puis par la musique, et puis bon. Mais ça a été extrêmement important. Ces professeurs européens, finalement, pour la plupart, qui venaient et qui amenaient des histoires différentes de celles qu'on nous racontait et qui nous tiraient vers l'extérieur. Et pendant ces années-là, c'était les années Charlebois, c'était les années de la transformation de la langue, hein. On avait des professeurs qui nous enseignaient un certain français. Et puis, il y avait à côté tout le mouvement de la littérature, les Tremblay, les Marie-Claire Blais, un Joualonais, sa Joualonie, et tout ce courant du Joual qui s'affirmait et qui nous parlait d'une autre langue qu'on avait le droit d'utiliser et qui était une langue de militance, finalement, en même temps qu'une langue populaire. Alors, c'était un peu étrange, hein? Ces Français qui arrivaient avec leurs normes, mais avec leurs histoires extraordinaires, et qui étaient en train de vivre avec nous la grande transformation, hein, du Québec. Et puis, bien sûr, donc, si je suis au secondaire, je vivais avec mes parents. Et puis, peut-être, c'est pas clair, clair, je devais avoir 15, 16 ans. À ce moment-là, il y avait des livres qu'on achetait dans ce qu'on appelle aujourd'hui les dépanneurs, hein. Il y avait des petits présentoirs de livres, et puis là, sont arrivés les livres de poche. Et je tombe sur un livre, Paroles de Jacques Prévert, en livre de poche. Et là, j'ouvre ça, puis je trouve ça intéressant, puis c'est, ah, j'aimais bien cette poésie qui n'était pas celle, quand même, la grande littérature française, plus classique. Et puis, un vendredi saint, je me retrouve à l'église avec Paroles de Jacques Prévert, et puis j'essayais de m'occuper un peu quand même. Et je lisais Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si joli. Cette fois-là, j'avais comme décidé que ça allait bien faire, ces histoires de vendredi saint-là. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mes parents aussi se cachaient de moi pour ne pas me montrer qu'ils avaient aussi cessé d'aller à l'église. Alors, on avait fait ça chacun de notre côté, puis un jour, on s'était avoué, on n'y va plus. Vive la Révolution tranquille. Et ce qui nous avait guidés, finalement, ce qui avait occupé énormément les consciences, hein, dans la famille, toute la famille, ça s'est passé. Tout le monde abandonnait en même temps, à peu près. C'était incroyable. Mais ces phrases de Jacques Prévert, je les avais trouvées extraordinaires. Et vous imaginez à Charlebourg en train de lire un livre de Jacques Prévert en plein Vendredi Saint avec de telles phrases. Cette littérature a été très, très importante aussi dans l'avènement d'une idée. Le monde peut être autrement que celui qu'on pense. Le monde dans lequel je vis n'est pas nécessairement celui qu'on me donne à voir, qu'on me donne à penser. Il y a autre chose. Donc, ici, une certaine littérature a joué aussi un rôle important dans ma trajectoire, dans ma manière d'approcher les mondes possibles. Parce que la quête, je pense que l'anthropologie a à voir avec une quête. Il y a quelque chose de l'ordre d'une quête. En tout cas, pour moi, ça prend un peu ce sens. Et les marques des mondes qu'on n'imaginait pas, ont joué, et elles sont toutes différentes, les petits points là, que je souligne, et il pourrait y en avoir bien d'autres, mais ces marques-là ont joué beaucoup, beaucoup dans
le goût d'aller voir, le goût de sortir d'un cadre prédéfini qui était celui dans lequel j'aurais pu évoluer si j'en avais fait le choix. Alors, et j'avais toujours le goût énormément d'étudier. J'avais pas beaucoup besoin de travailler quand j'étais plus jeune. Maintenant, je me suis repris. Vers peut-être la 10e année, j'avais organisé une visite à l'université. Alors, j'avais convaincu mes professeurs qu'il fallait nous amener voir qu'est-ce que c'est qu'une université. Et je voulais étudier la philosophie. J'étais un peu jeune pour ça. Et les professeurs, je pense, me trouvaient un peu particulière. Mais ils avaient trouvé que c'était une bonne idée. Donc, on avait organisé une visite pour aller voir l'Université Laval. Eh bien, on était allés, je ne sais pas, le souvenir très, très précis. C'était peut-être juste de franchir la porte, d'y aller, de voir que ça existait et qu'on pouvait être là, dedans. Parce que le reste, je n'ai pas un souvenir très transcendant de visiter des bâtisses. On n'avait pas rencontré des personnes, on n'avait pas rencontré des professeurs ou des étudiants. On était juste allés voir. La visite avait été peut-être organisée de manière un peu stricte. J'en étais pas l'organisatrice. J'avais initié cette idée-là. Mais je voulais... Et l'université, ça représentait aussi un ailleurs par rapport à mon milieu. Ça représentait la pensée, l'accès à des mondes réfléchis autrement. Bon, j'ai parlé de la littérature parce que quand on est plus jeune, c'est une partie des choses, c'est une forme d'accès à un ailleurs. L'université représentait énormément, hein, dans d'autres possibilités que j'essayais d'imaginer. Et comme ça s'est terminé, le secondaire. Puis, je voulais aller en philosophie. J'avais rencontré un orienteur et qui me disait... il ne m'avait pas arrangé la vie, hein. Il me disait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, il ne faut surtout pas me dire un genre de choses. C'était un peu compliqué parce que je voulais tout faire, mais je voulais surtout la philosophie. Et mes parents, à l'époque, ils n'étaient pas très ouverts à cela. Ils ne voyaient pas très bien, je pense, qu'une fille puisse gagner sa vie en devenant philosophe. Et puis, ils n'avaient pas eu accès à la philosophie dans leur vie. C'était très, très, très éloigné de leur monde. Ce qui fait que j'ai fait un cégep et j'ai fait un cours d'infirmière parce que c'était ce qui était accessible pour mes parents, ce qui était acceptable. Et donc, ce n'était pas mon choix de faire ce cours. Mais j'ai fait des rencontres pendant cette période quand même importante. Et la rencontre principale, ça a été la psychiatrie. Ça a été toute la question de la folie. J'étais très, très impressionnée par mes premiers contacts avec l'univers psychiatrique. J'y ai travaillé aussi, non pas comme infirmière pour commencer, mais comme préposée aux malades, alors que j'avais 17 ans, à Robert Giffard. Et ma première expérience de cet univers, j'oublierai jamais ça, ça a été très important aussi par rapport à l'anthropologie. Ça a été d'entrer dans une salle où il y avait, j'étais préposée aux malades, c'était dans des malades chroniques, des femmes, toutes alitées, attachées pour la plupart, qui avaient des problèmes cognitifs majeurs, des noms de maladies qui m'étaient complètement étrangers, très très longs, très étranges, qui portaient des noms de savants, très probablement. Et les hurlements la souffrance et quand une de ces personnes se trouvait mal ou très agitée, on faisait venir les hommes, on disait ça comme ça. Et ils arrivaient, des colosses, des énormes personnes, pour maîtriser
ces personnes-là. Et je travaillais 12 heures par jour parce que on appelait ça des 7-7, là. Alors, tu entres à 7 heures le matin et puis tu travailles jusqu'à 3 heures l'après-midi avec un petit temps pour dîner. Puis à 3 heures, non, à midi, tu t'arrêtes à midi. Puis là, à 3 heures, je reprenais jusqu'à 7 heures. Et entre midi et 3 heures, on avait une petite salle où je pouvais aller dormir. On pouvait aller dormir, les gens comme moi. Et je rêvais, j'arrêtais pas. J'étais comme complètement hallucinée par la vue de ça, par les gens dans les corridors qui avaient des casques de football, qui se tapaient la tête sur les murs, par l'étrangeté de tout ce qu'il y avait dans ce qui s'appelait Saint-Michel-Archange, hein, l'hôpital Saint-Michel-Archange. Cette expérience-là a été très, très importante. Et je suis retournée donc étudier. J'étudiais, ça c'était un emploi d'été, un emploi étudiant. Et puis, de retour de ça, un automne, je tombe, et là il y avait encore des livres. C'est bien les livres. C'est extraordinaire les livres. Alors il y avait une petite librairie au Cégep Garneau, hein, c'était Cégep Garneau, une petite librairie avec des livres d'anthropologie. Et notamment un livre de Ruth Bénédicte. Je suis tombée là-dessus. Alors, ça tombait bien. Elle qui s'intéressait, hein, aujourd'hui, l'école culture et personnalité, on fait ça dans les cours d'histoire d'anthropologie, de la pensée anthropologique. Mais pour quelqu'un qui vivait ce que je venais de vivre, comme autre rencontre d'un monde différent, dans la ville, dans la même ville, je ne parle pas de loin, je parle de choses qui étaient dans ma propre ville, d'avoir un discours, celui de Ruth Bénédicte, qui vous parle d'une société qui peut produire finalement la maladie, qui peut produire des normes, qui peut produire des idées de normal et de pathologique. Société saine, bon, toute cette affaire de société saine, société malade. Et j'ai commencé aussi à rencontrer Ronald Lang, Ara Cooper, ceux qui questionnaient la famille, tout le mouvement de l'antipsychiatrie. C'était dans la même époque. Et là aussi, ces auteurs extrêmement importants, très novateurs, m'ont marqué profondément parce que ils me disaient, en quelque sorte, là aussi, un autre monde est possible dans le monde dans lequel tu penses vivre. Et les normes sociales, les normes familiales, les valeurs, tout ce qui entourait finalement ce qu'on peut imaginer comme étant de la normalité était questionné par ces gens-là. Alors la rencontre du mouvement de l'antipsychiatrie, des auteurs clés de l'époque, la rencontre de l'école culture et personnalité, en pleine formation comme infirmière, a fait de moi une infirmière qui n'a jamais eu le goût de, je dirais, des soins physiques, mais je me suis passionnée pour le milieu de la psychiatrie avec des idées de transformation, des idées révolutionnaires, des idées... bon, et puis finalement, j'ai travaillé comme infirmière en psychiatrie. Lorsque j'ai terminé mon cours, on m'a pris tout de suite dans un département, c'est l'hôpital d'Enfant Jésus. Et dans cet hôpital, c'était le début, le tout, tout début d'une psychiatrie différente. Et là, je me suis fait beaucoup taquiner par les psychiatres parce que j'avais des lectures qui n'étaient pas habituelles. Lorsque on m'a vu à un moment lire du Lévi-Strauss, je me suis fait dire « Vous lisez ça, madame ?» Ils n'étaient pas toujours extrêmement, respectueux envers le personnel infirmier. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai fait ce cours, je l'ai terminé, j'ai travaillé en psychiatrie, je vais y revenir tout à l'heure. Mais surtout, au bout d'une année et demie,
j'ai eu le goût de changer de vie, déjà. Et j'ai fait un long voyage, très long voyage. J'ai tout quitté à ce moment-là. J'ai tout vendu ce que j'avais. J'avais pas grand-chose, mais j'ai tout vendu. Les disques, les 33 tours, les livres, les quelques meubles que j'avais. Et puis, je suis partie pour l'Inde.